Amis du jour, bonjour, nous revoilà, et oui, c'est nous, on est de retour pour une petite vidéo. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas filmé, et ben du coup, on va reprendre du service. Voilà, on se retrouve dans un nouveau décor, de nouvelles aventures qui vont démarrer avec nous, parce que voilà, ça y est, on a passé le cap. On s'est offert notre petit Gaspard, voilà. Comment il s'appelle? Gaspard, c'est notre camping-car. Voilà, il fait 7 mètres de long sur 3 mètres de haut à peu près. C'est un 6 places carte grise et 7 couchages. Voilà. Donc, on se retrouve pour cette première vidéo. On est parti de chez nous. Alors, on n'a pas filmé sur le temps de trajet et tout ça. C'est vrai qu'on a un peu du mal à reprendre des vidéos. On a eu pas mal d'événements qui se sont passés. On était un petit peu actifs. Essentiellement sur les réseaux sociaux comme Instagram, les choses comme ça, et un peu moins sur notre chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que bah c'était toute la période de projet, la mise en place de tout ça, la recherche du camping-car qui semblait être le plus idéal pour nous. On a fait des petits aménagements dessus aussi, enfin j'ai fait des petits aménagements dessus, j'ai refait une partie de l'électricité, l'installation au LED, là je suis en train de revoir tout ce qui est partie panneaux solaires pour qu'on soit de plus en plus autonome, parce qu'à l'heure actuelle, malgré qu'on a un petit peu d'autonomie avec, on est quand même en étant 6. Bon, pas ce week-end on n'est pas 6, hein, parce qu'on est le week-end quand vous aurez cette vidéo, c'est le week-end du pont Pascal, non, de la Pentecôte, pardon, sur les 3 jours avec le lundi férié, voilà. Donc je sais pas quand est-ce que vous regarderez, quand est-ce qu'elle sortira cette vidéo, mais en attendant, si vous êtes dessus et que vous la regardez, voilà la petite explication. Donc on a fait pas mal d'aménagements, les panneaux solaires nous permettent pas encore d'être vraiment à 100% autonomes, en étant 6 dedans, donc pour le moment on est encore branché sur le 220 volts, mais ça va venir, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire, on est vers Sérignan, à Sérignan plage, dans un petit camping assez sympathique. Bon, c'est sommaire, pas trop cher pour la basse saison, hein, à l'heure actuelle. Donc c'est le camping, c'est enfin un camping aménagé spécialement aussi pour les camping-cars, hein, je tiens à le préciser. Donc un camping-car de 7 mètres, il rentre, je crois qu'il y a des emplacements aussi qui peuvent accueillir un peu plus long que 7 mètres, mais je suis pas certain. C'est pas très cher actuellement, on est à 8 euros la nuit, plus 4 euros pour l'électricité, voilà, et les services sont compris dedans. Donc ça reste raisonnable pour une fin de mi-saison, de basse saison, comme on appelle. Voilà. Donc, bah, quelques vidéos sur la suite, vous allez voir ça à la suite. Pour nous, c'est des moments qui sont tournés, vous le savez, c'est pas constamment filmé, mais sur des parties de la journée qui sont filmées. On reste là 3 jours, donc cette vidéo, vous aurez un mix de 3 jours avec des petites balades sur le bord de mer, quelques vues peut-être aériennes en drone si je peux. Tout va dépendre un peu de là où on se trouve et comment, si on peut filmer ou pas, parce que voilà, on a quand même pas mal de restrictions de ce côté-là. Allez, je vous embrasse, la suite, c'est en image. Bisous, bisous.
voilà, on est allé faire un petit tour du côté de la mer. En fait, la mer est juste derrière là-bas. Hein, voilà, on est à 800 mètres. 800 mètres par rapport à l'emplacement du camping-car. Donc c'est pas mal. Bon, il n'y a pas de surveillance au niveau de la plage. Il y a un panneau qui le stipule, donc normalement c'est interdit de se baigner, mais il y en avait qui se baignaient, qui faisaient de la planche. Voilà, donc bon, avec en faisant attention, je pense que ça doit être assez risques et périls, comme on dit. Hein, donc c'est à vous de voir et de juger. Mais sinon, voilà, pas grand monde, c'était sympathique. On a passé quelques minutes, un petit temps sur la plage. Mélina, c'est une grande découverte pour elle parce que bon, elle est, la dernière fois qu'elle était allée à la mer, elle était toute bébé. Donc, elle était très contente. Voilà. Bon, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Tchuss! Bienvenue dans cette nouvelle journée. Nous sommes dimanche. On vient de passer une première nuit. C'est assez agréable. C'est le matin. J'ai pris ma douche, mais je me suis même pas coiffé. Voilà. C'est l'air de camping. C'est l'air des vacances. Donc à la mode détendue un peu. Voilà. Bon, la nuit super agréable, super intéressante. Intéressante. Je sais pas pourquoi je dis ça. Intéressante. Non. Enfin, je veux dire. Voilà, non, c'était tranquille, pas de bruit, calme, on a passé un moment super agréable. Là, on attend la famille qui nous rejoint pour se faire un petit barbecue, voilà, mode camping. Voilà, et puis les filles, elles jouent, Mélina s'est fait une copine, voilà. Et puis Gabrielle, elle fait sa vie, voilà, tranquillou. Donc sur ce, ça continue en image. Allez, bisous bisous.
mes chers amis, un petit brin de vaisselle, manière de faire sa part des choses. En fait, ouais, la vie en camping-car, ben, faut ranger, re-ranger systématiquement. On est toujours en train de bouger quelque chose, donc de façon à avoir toujours un maximum de place. Voilà. Donc c'est un peu le bordel dans le fond là-bas. Là, on a un petit bébé qui fait la sieste. Et elle n'est pas dérangée par le bruit. Ça c'est fort, ça c'est bien. Bon, on n'en fait pas trop non plus, mais on se cache pas non plus de voilà, de faire un peu de bruit à côté, puisqu'elle est habituée. Elle est habituée à ce qu'on fasse du bruit en général. Voilà, bah allez, ça continuera avec quelques images encore. Et puis moi, pour l'instant, je vous laisse. Allez, à de suite. Vous savez quoi? Je vais vous parler parce que je viens de m'apercevoir que je vais plus avoir de batterie. C'est génial. On a décidé d'aller faire un petit tour sur le bord de la mer. Au bord de la mer. Il n'y a pas un chat. Voilà. On termine notre week-end. Je pense qu'on va vous laisser sur ces quelques images de fin pour ce soir, dernier jour, puisque demain on reprendra la route. Et puis voilà. On espère que vous aurez apprécié ce petit vlog de retour avec ce bruit marin juste derrière. Et puis bon, si vous êtes juste de passage, les aventures vont continuer de plus en plus. On va prendre la route, se balader, profiter maintenant de notre camping-car. Et puis de nouvelles aventures, comme je vous disais, viendront s'ajouter aux nombreuses vidéos de notre chaîne. Donc si vous êtes juste de passage, n'hésitez pas à vous abonner par là, derrière la tête, là devant la tête à ma chérie, là, il devrait y avoir vous abonner. Puis n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à la partager. Et puis n'hésitez pas à nous laisser aussi des commentaires. On se fera un plaisir de vous indiquer où est-ce qu'on est. Et puis je crois que je l'ai déjà dit, hein, c'est sur la plage de Sérignan. Voilà. Donc à très bientôt. Et puis on vous embrasse. Ciao, ciao.